Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance 1-9-11. Bonsoir les enfants, salut. Ok, alors il y en a quelques-uns qui ont les caméras qui sont éteintes encore, pensez à les allumer, ça me permet d'avoir un petit retour sur ce que vous faites pendant la séance, d'accord? Ouais, super. Ok, au programme de la séance, donc on a une partie dans le carré que j'avais demandé qu'on trace, d'accord, avec du tape. Ou du scotch, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc c'est un carré de 30 sur 30 à peu près. Hein. D'accord? S'il y a des parents qui veulent le faire rapidement. Donc on a 6 exercices dans ce carré. Et ensuite on partira sur la partie maniement. Ok? Avec 4 exercices de maniement. Et on terminera par un petit défi. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Donc, on va démarrer le premier. On travaille toujours sur 15-15, d'accord? 15 secondes de travail pour 15 secondes de repos. Et on répète 6 fois les exercices, d'accord? Il peut y avoir des petites variantes entre les 6 passages. Ça marche? Le premier, histoire de se mettre un petit peu en mouvement, là, de monter en température, c'est Jumping Jack, ça s'appelle, d'accord? Donc, on va partir les deux pieds. On est fléchi, ok? On part les deux pieds à l'extérieur du carré. Et avec les pieds, on va rentrer en même temps dans le carré, ok? Et on va ressortir, on va enchaîner dedans, extérieur, ok? À l'intérieur du carré et à l'extérieur. On reste bien fléchi, je ne fais pas des grands sauts, d'accord? Pour atterrir dans le carré ou pour sortir du carré. Je fais des petits sauts, d'accord? En restant bas fléchi, ok? En même temps, d'accord, quand mes jambes sont écartées, donc quand mes jambes sont à l'extérieur, je vais avoir mes mains qui se touchent en haut, ok? En dessus de la tête, là. Ça marche? Les deux mains se touchent, ok? Et par contre, quand mes deux pieds vont se resserrer à l'intérieur du carré, mes deux mains vont redescendre pour s'ouvrir, ok? À côté de moi, là. Et j'enchaîne comme ça. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Ok, je vois qu'il y en a qui sont en train d'essayer déjà. Super, on va démarrer. Donc on se met à l'extérieur du carré pour démarrer. Attention, top, c'est parti. On essaye d'être rapide. On est fléchi, on ne fait pas des grands sauts. Ok, on est en pause. Il me semble en apercevoir qu'ils sont en chaussettes. Essayez de mettre des baskets, d'accord? On fait du sport en basket. Et puis pour l'hydratation, c'est sur les temps de pause, d'accord? Moi, j'arrête pas la séance pour vous dire, allez, on boit un coup. Ça marche? On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Allez, on continue. C'est pas fini. Ok, on est en pause. J'ai vu qu'il y en avait qui regardaient le chrono. Vous inquiétez pas, moi je vous annonce quand c'est le temps de se reposer ou le temps de démarrer l'exercice. D'accord? Donc pas la peine de venir regarder le chrono. Augmentez le volume et c'est bon. On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Troisième passage. Anaël, on vient taper par-dessus la tête. Ouais. Ok, on est en pause. On a tendance des fois à faire ce mouvement-là avec les bras, d'accord? On les envoie vers le haut ici, mais on ne vient pas taper. Là, on veut avoir ce grand mouvement avec les bras, d'accord? Ça marche? On se remet en place. Quatrième passage. Top, c'est parti. Allez, encore quelques secondes, on garde la fréquence, le rythme. Ok, on est en pause. On l'a fait 4 fois. C'est bien. Vous devez commencer à être un petit peu essoufflé, c'est normal.
D'accord? Essayez de respirer pendant l'effort aussi, de ne pas bloquer votre respiration, sinon vous allez très vite vous fatiguer. On se remet en place. On est prêt et top, c'est parti. Allez, on continue. On continue, on continue. Ok, on est en pause. On récupère. Il va nous rester une fois sur cet exercice et on passera à la suite. Allez, on se remet en place. Attention. Et top, c'est parti. Allez, Manua, il faut faire les exercices en même temps que les autres. Ok, on est en pause. Allez, on essaye de faire les exercices, d'accord? On ne regarde pas l'écran. Ok, suivant. On l'a déjà fait. Alors, on n'avait pas le carré, donc c'était pour certains un peu compliqué pour visualiser. La marelle, d'accord? Donc là, même départ, on a les deux pieds à l'extérieur. Ok, maintenant, on va rentrer un seul pied, le pied gauche dans un premier temps, d'accord? Alors, je me mets de dos comme ça. Donc, pied gauche. Dans la case, et en même temps, on va lever le pied droit vers l'arrière. Ok? Hop. Ok? Le pied droit, on va venir le toucher avec notre main gauche. Ok? Hop. Dès que je lève, je viens toucher mon pied droit avec la main gauche. Et j'enchaîne. Ok? Si je me mets de face, ça donne ça. Je suis là. Donc, pied gauche à l'intérieur, je viens toucher mon talon droit avec ma main gauche. Ça marche? Ça marche pour tout le monde? On démarre pied gauche à l'intérieur. Hein. On est prêt, on est en position et top, c'est parti. Ok, super. Je vois qu'avec le carré, ça marche beaucoup mieux. Ok, on est en pause. Super. C'est beaucoup mieux. Vous avez les repères, donc c'est plus facile pour vous. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf que c'est le pied droit à l'intérieur. D'accord? Pied droit à l'intérieur. Et je lève le pied gauche et je viens taper avec ma main droite le talon gauche. Ok? Ça donne ça. Ok? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Pied droit à l'intérieur. Ouais, super. Ok, on en pause. Alors, on reste debout. C'est pas la peine de se mettre à genoux ou allongé là sur les temps de repos. On peut rester debout. On va repartir avec pied gauche à l'intérieur. D'accord? Donc on revient comme la première fois. Oui. Hop, et je viens taper mon pied droit avec ma main gauche. Ok, on est prêt et top, c'est parti. Allez, on pense à rentrer le pied à l'intérieur de la cave. Ok, on en pose. Attention, il y en a quelques-uns qui restent sur place en fait, qui font juste un petit saut sur place sans rentrer le pied dans la case. Ils font ça. Ok? On essaye de déplacer notre pied dans la case et on le ressort. Ok? On rechange. Donc c'est jambe droite, pied droit à l'intérieur. Ok? Et main droite contre pied gauche. Attention, top, c'est parti! Alors, il y en a qui sont un peu plus en difficulté d'un côté que de l'autre. C'est normal, on a tous un pied plus facile. Ok? On est en pause. On a tous un pied qui est plus facile. Ok?
Ok, maintenant, on va alterner, d'accord? Il nous reste deux passages sur celui-là. Maintenant, c'est pied gauche, un coup pied gauche, un coup pied droit à l'intérieur. Ok, donc pied gauche, hop, pied gauche, je tape, je sors, et maintenant, c'est pied droit. J'alterne. Ok, ça marche pour tout le monde? On se met en place. Allez, on est en place et on alterne les deux pieds. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, quand on a bien pris le rythme, on peut essayer d'accélérer, d'accord? Par contre, si on perd le rythme, à nouveau, on repart tranquillement, d'accord? Pour reprendre le rythme. Si on peut accélérer, on accélère, ok? Mais si je perds le rythme, je m'arrête et je repars. Ça marche? Attention, dernier passage, top, c'est parti! Encore quelques secondes, allez, allez, allez. Ok, on est en pause. Ok, le troisième. On a fait la semaine dernière, rappelez-vous, on a fait traversée latérale où c'est qu'on avait quatre appuis. Ok, ça faisait 1, 2, 3, 4. Et on repartait. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose, sauf que maintenant, on le fait à trois appuis. D'accord? Donc, je pars, je compte, ça fait 1, 2, 3, mon pied, je le lève, mais par contre, il ne touche pas au sol. Il ne touche pas le sol et il va revenir se reposer directement dans la case. OK? 1, 2, 3, je sors le pied, je le re-rentre. OK? Donc, à vitesse un peu plus rapide, ça donne. Hop, hop, hop. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, je ne touche pas avec 4 appuis au sol, c'est plus que 3 appuis. Ça marche? On se met en place. Attention, top, c'est parti. Et quand on a pris le rythme, on accélère un petit peu. Ok, c'est pas mal. Alors, donc là maintenant j'ai fait la démo, vous avez compris l'exercice. Maintenant le but du jeu, ça va être sur cet appui-là, ok, de repartir le plus vite possible, ok, de passer le moins de temps possible avec le pied en l'air. Donc je suis là, ça fait hop, ok, je recommence, hop, je repose, je repose, je repose, et j'enchaîne, d'accord? Rapidement. On se met en place. Attention, top, c'est parti. Ok, c'est pas mal, faut être bien bas, bien fléchi. On est bien fléchi, on peut se servir des bras aussi. Ok, on est en pause. On essaye de rester bas, fléchi, d'accord? On a une bonne flexion quand même, cheville et genou. Et on peut se servir des bras, ok? Troisième passage, on se remet en place. Attention, top, c'est parti! Ok, on est en pause. C'est pas mal. Poussez bien là sur la jambe extérieure. D'accord? Quand j'ai fait ma traversée, je suis là. Poussez bien sur cette jambe pour repartir. Ok, on pousse bien avec la jambe extérieure. On se remet en place. Quatrième passage. Attention, top, c'est parti.
Ok, on est en pause. On ne va pas beaucoup s'hydrater. Pensez sur les temps de pause, hein. Juste une petite gorgée, ça suffit. Pas besoin de boire beaucoup, beaucoup, mais régulièrement des petites gorgées. Ok? On va passer à la cinquième répétition. On est prêt, on est fléchi. Et top, c'est parti. Trois appuis. Ok, on est en pause. Alors regardez, j'en vois qui finissent très loin à côté du carré, d'accord? Ils font ça et ils finissent loin là. Ok? On essaye de rester proche pour rentrer le plus vite possible dans le carré. Hop, mon pied en fait, je le lève, mais il est déjà en dessus le carré. Et là, je viens le reposer. Ok? Ça marche? Allez, dernier passage. Attention. Top, c'est parti. Allez Manua, on n'envoie pas des dessins, on travaille. Ok, on a fini avec celui-là. Suivant, on l'a déjà fait. Ok, on démarre dans le carré, c'est pieds joints, c'est la croix, d'accord? Donc on est bas, on est fléchi, plutôt travaille avec la pointe des pieds. Ok, on démarre, on part en arrière, je re-rentre sur le côté, je sors. Je re-rentre. De l'autre côté, je sors, je re-rentre. En face, je sors, je re-rentre. Et je recommence arrière, côté, pardon, côté, avant, arrière, côté, côté. Ok, c'est bon pour tout le monde. On part. On part tout de suite. Donc là, on part vers l'arrière. Ok. Quand je re-rentre, je pars à gauche. Ok, tout le monde, je pars à gauche. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. On est en pause. On récupère. Le prochain, je le fais dans l'autre sens, d'accord? Donc je pars arrière, je rentre et je pars à droite. Ok? Je remonte, je suis dedans, arrière, je rentre, je pars à droite, je traverse latéralement, je reviens en avant, en arrière. C'est bon? Attention, top, c'est parti! Ok, on est en pause. Alors, regardez bien. Il y en a qui me dessinent la croix. Qui me dessinent la croix en faisant le tour. Ok. Vraiment le tour du carré en entrant et en sortant. Ok. Là, moi, j'ai montré. Donc, je rentre dans le carré. Je traverse complètement en latéral. Ok. Je reviens. Maintenant, je vais vers l'avant et je traverse complètement en arrière. Ok? Bon pour tout le monde. On se remet en place et on va démarrer vers la gauche. Alors arrière, dedans et à gauche. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. C'est bon, vous avez compris le chemin maintenant. Donc là, même chose, sauf qu'on va partir en rentrant vers la droite et je traverse complètement. On se met en place. Attention. On est prêt. Top, c'est parti.
Ok, on est en pause. On a fait 4 fois, il nous reste 2 fois. On souffle bien. Si vous êtes un peu essoufflé, là, respirez bien. Ne vous allongez pas. On ne se met pas au sol. On ouvre la cage thoracique là et on respire bien. Là, on va repartir du côté gauche, du coup. Gauche et je traverse. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois sur celui-là. Une fois avec. On repart vers la droite. Donc je re-rentre et je repars vers la droite. Ok. Attention. Top, c'est parti. Allez, on y va. Allez, Anaël. Ok, on est en pause. On a fini pour celui-là. Maintenant, le dernier, en se servant du carré, d'accord? On va démarrer pieds joints dedans et on va être vraiment fléchi, d'accord? Une bonne flexion de la cheville et du genou, d'accord? On a le dos droit, ok? Même si le buste, il est un peu incliné vers l'avant, d'accord? Mais par contre, on a le dos droit, il n'est pas arrondi. Et là, on va faire. On va démarrer tous jambe gauche, d'accord? Travaille avec la jambe gauche, ok? Je vais pousser, comme si je poussais sur la glace, sur le côté, d'accord? Vraiment latéralement. Je vais faire extension de ma jambe, finir en pointe de pied et je ramène mon pied. Ça veut dire que pendant tout ce travail-là, ok? Je pousse, je pose la pointe de mon pied, ok? Mais c'est cette jambe qui est. Tout le poids est sur cette jambe, ça va un petit peu brûler sur cette jambe. On fait attention d'avoir l'alignement pointe de pied et du genou, ok, et de l'épaule, ok. Je ramène mon pied, je le pose juste à côté de l'autre, d'accord. Je le ramène sous mon corps, proche de l'autre pied, et j'enchaîne, ok. Ça marche pour tout le monde, donc que jambe gauche. On se met en place. Ça va un petit peu brûler les jambes, celui-là. Allez, on est prêt. Et top, c'est parti. Jambe gauche. Vraiment sur le côté. Je finis en pointe. D'accord? Avec une extension de la cheville. Et je ramène bien mon pied à côté de l'autre, sous mon corps. Ok, je suis en pause. Alors attention, j'en vois beaucoup qui font ça, ok, qui viennent poser le pied, qui se retrouvent à faire une fente, d'accord? On a dit, on fait attention à bien garder le poids sur cette jambe et avoir l'alignement pointe de pied, genou, épaule, d'accord? Tout est aligné ici, ok? Et je ramène le pied. Donc là, on va changer de jambe, ça va être jambe droite. Donc tout le poids est sur la jambe gauche. J'ai mon alignement pointe de pied, genou, épaule. Ok, je pousse sur le côté. Jambe tendue, extension de la cheville. Je finis sur la pointe du pied et je le ramène. Je pose et je ramène mon pied proche de l'autre. Ok, on y va. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, on finit vraiment le mouvement, hein, d'accord? On finit avec l'extension de la cheville. Ça veut dire que je déplie ma cheville pour venir toucher avec la pointe de mon pied, d'accord? Je ne viens pas poser mon pied à plat sur le côté, là. Ok, je finis le mouvement. Hop! Je détends ma cheville, extension de la cheville pour finir sur la pointe. Ça marche? On repasse à la jambe gauche. On est prêt? Attention,
Top, c'est parti. Je détends, je ramène à côté, sous mon corps. Ok, on est en pause. Ça doit brûler un petit peu la jambe, c'est normal. Ok, la jambe qui en appuie au sol. On va refaire une fois, jambe droite, côté droite, jambe droite là, pardon. Donc ça veut dire que c'est la jambe gauche qui est dans le carré en appui. Ok. Attention. Top, c'est parti. Je ramène bien mon pied à côté de l'autre. Ok, on est en pause. Alors attention, j'en vois quelques-uns qui envoient la jambe plutôt vers l'arrière, là. D'accord? C'est justement ce que je ne veux pas voir, c'est qu'on envoie, on veut l'envoyer sur le côté. C'est sur le côté, d'accord? Vraiment sur le côté. Pas vers l'arrière. Vers l'arrière, non. On veut vraiment sur le côté. Ça marche? Ok, maintenant, il nous reste deux passages sur celui-là. On va alterner un coup, jambe gauche, extension jambe gauche sur le côté, avec extension de la cheville. Je ramène, je pose juste à côté. Je transfère mon poids sur cette jambe et j'enchaîne de l'autre côté. Ok, ça marche pour tout le monde. Sans faire de fente en partant sur le côté là. On a vraiment notre poids du corps qui est aligné là vers le bas. Ok, attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois. Attention, il y en a certains qui font cette petite erreur. C'est vous pousser. Vous ramenez le pied à côté et là vous vous relevez, d'accord? Et puis on repousse sur le côté et on se relève. Non, ma tête, je suis fléchi en permanence. Ma tête, elle reste toujours au même niveau. Regardez par rapport à l'arrière, au décor à l'arrière, d'accord? Ma tête reste toujours au même niveau. Ok? Je casse pas les flexions. Allez, dernière fois. Attention, top, c'est parti. Un coup jambe gauche, un coup jambe droite. On reste bien fléchi. Extension complète sur le côté avec l'extension de la cheville. Ok, on est en pause. On a fini pour la partie dans le carré. D'accord, maintenant on va passer au maniement. Donc vous pouvez récupérer vos gants, votre crosse, votre balle ou votre palet de maniement. Allez, on a quelques secondes pour se remettre devant la caméra, pour regarder le prochain exercice, le premier exercice de maniement. J'attends que tout le monde soit revenu. Ok. Donc là, on va partir sur 6 répétitions, d'accord? On sait que là, par contre, on travaille 20 secondes. Ok, plus on a les 15 secondes de récupération, d'accord? Donc le premier, on l'avait déjà travaillé il y a un petit moment, ça va être transfert de poids, d'accord? Avec transfert du palet, que sur du dribble long, d'accord? Donc je traverse les trois plans avant en effectuant que du dribble long, ok? Là je vais effectuer un transfert de poids, je vais passer de ma jambe gauche à ma jambe droite. Mon poids, il est du côté du palet ou de la balle, d'accord? Donc là, mon palet est sur mon coup droit. Ok, moi je suis gaucher. Mon poids, il est sur ma jambe gauche. Ok, quand je vais basculer sur mon revers, ok, je transfère mon poids du corps
pour venir sur le revers. Là, je me retrouve le poids sur la jambe droite, d'accord, et le palais sur le revers, du même côté que mon poids. Ça marche? On ne veut jamais casser les flexions, donc on ne veut pas se relever pour redescendre, ok, de l'autre côté. On veut garder les flexions, donc là, je suis fléchi sur cette jambe, jambe tendue ici. Au moment où je vais transférer le poids, ce genou et cette cheville vont commencer à se plier, ok, pour tout de suite être en flexion, ok. Donc là, je transfère, hop, ma jambe droite commence à se plier et je garde les flexions. Ça marche? On se met en place. Et donc, on enchaîne. OK. Coup droit, revers, sans petit dribble. Hein. Il n'y a pas de petit dribble. On n'est que sur du dribble long. Là, je suis revers. Je viens bloquer, coup droit et je repars de l'autre côté. Ça marche? OK. On se met en place. Mes pieds restent toujours dans la même direction. Attention, top, c'est parti. Pas besoin de le faire très vite. On recherche de la qualité là. Ok, on est en pause. 15 secondes de récup. S'il y a vos parents qui sont là, vous pouvez leur demander de vérifier que vos flexions, que vous ne cassez pas les flexions, d'accord? Que votre tête reste toujours sur la même ligne, d'accord? Vous pouvez leur demander s'ils sont à côté, juste pour vérifier. Ça marche? Attention, on va redémarrer et top, c'est parti! Ok, on est en pause. Ok, je vois quelques petites erreurs à l'écran. Donc celle-ci, celle que je disais, donc les flexions qui se cassent. Donc certains, vous remontez pour redescendre, d'accord? C'est ce qu'on ne veut pas voir. On veut vraiment rester sur la même ligne. Imaginez qu'il y a une ligne là, ou une barre en dessus de votre tête, et on ne veut pas la toucher, la barre, ok? Donc on est bien obligé de rester fléchi si on ne veut pas se cogner à la barre, là, ok? Et puis ensuite, j'ai dit attention aux pieds. On veut avoir les pieds qui restent, les pointes de pied qui restent bien droites. Il y en a quelques-uns qui ont les pieds ouverts, d'accord? On a les pieds parallèles, les pointes de pied qui vont vers l'avant. Attention, on y retourne, troisième passage. Et top, c'est parti! On essaye d'amener son palais assez loin sur le côté, donc sortez bien les bras, ok? Dégagez bien les bras du corps. Ok, on est en pause. Donc je disais là, il y en a qui ont les bras très collés, le palais reste aligné avec le pied, ok? Sortez les bras, ok? Mes bras là, ils sont collés, moi je vais les sortir, je vais amener le palais encore plus loin. Ça marche? Sors mes bras, ça me permet d'avoir plus d'amplitude. On y retourne, attention, et top, c'est parti! Allez, on continue. Garde bien les flexions. On essaye d'avoir la tête haute. Ok, on est en pause. On l'a fait 4 fois, il nous reste 2 fois. On est en pause. On garde la tête haute. Le palais, là, il est en conduite. Donc, il est toujours en contact de notre palette. On le sent dans nos mains, d'accord, au bout de notre crosse. Ok, donc, je n'ai pas besoin de le regarder. Ok, je n'ai pas besoin de le regarder. Je le sens. Et même là, en regardant droit devant, je sais qu'il est là. Ok, il est ici. Pourtant, je ne le regarde pas, d'accord, mais j'ai la vision périphérique qui me permet de le voir, là. Ok? Donc je le vois dans mon angle. Ok? Ça marche? On se met en place. Attention. Top, c'est parti!
Ok, on est en pause. Il va nous rester une fois. Le dernier passage, on va le faire à mon rythme. Ok, donc vous faites le même mouvement en même temps que moi, les déplacements. Ça marche? À la même vitesse. Donc vous êtes obligé de regarder un petit peu l'écran. Ça marche? On se remet en place. On est prêt. Attention. Top, c'est parti. Ok, on a fini pour celui-là. On va passer au suivant. D'accord? On est vraiment sur le même principe. C'est vraiment la thématique là pour ce soir. Maintenant, on va rajouter du dribble de court entre les dribbles longs. D'accord? Avant le dribble long. Donc là, je suis sur mon revers. Je vais faire dribble court. Ok, dribble court, dribble long. Ok, j'ai transféré, là je suis sur le coup droit, dribble court, dribble long. Donc je fais quelques dribbles, 3-4 dribbles courts et je transfère. Ok, toujours avec les mêmes consignes, la flexion, ok, le transfert de poids sans casser les flexions. D'accord, je rajoute juste le petit dribble avant de transférer. Ça marche, on se met en place, attention. Et top, c'est parti. Dribble court, dribble long. Dribble court, dribble long. Ok, on est en pause. Alors, il y en a quelques-uns qui font cette petite erreur. C'est pas... Enfin, c'est une erreur sans lettre. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on travaille là. On a dit on est dribble court quand on est sur le côté, d'accord, quand on est en transfert total sur une jambe. Donc là, je fais du dribble court. Et sur tout le transfert, pour aller de l'autre côté, il n'y a pas de dribble court. C'est dribble long, dribble long, dribble long. Ok, là, je suis arrivé de l'autre côté. J'ai tout mon poids à l'opposé. Dribble court. Je recommence. Transfert. Dribble court. Ça marche? Allez, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, on reste bien fléchi. Attention, Fantin, tes pointes de pied doivent être face à la caméra. Ok, on est en pause. Fantin, tu m'entends? Fantin, BDL, que tu m'entends? Ok, tes pointes de pied, attention, tu ouvrais les pieds comme ça, d'accord? On a dit les pointes de pied sont vraiment face. On se remet en place. Attention, troisième passage, top, c'est parti! Ok, on est en pause. Pendant la pause, pour vérifier votre position, quand vous êtes en transfert, dès que là, j'arrive sur la fin de mon transfert, regardez, j'ai mon repère, pointe de pied, genou, épaule, tout est aligné, d'accord? Tout est sur la même ligne, ok? Je n'ai pas mon genou qui part à l'extérieur ou à l'intérieur, je n'ai pas mon pied qui s'ouvre. Là, mon repère, il serait plus bon, ok? Vous voyez, ça marche, on se remet en place, quatrième passage, attention, hop, c'est parti. Ok, on est en pause. Ça y est, ça commence à être beaucoup mieux. On va enchaîner.
La cinquième répétition. Buvez un petit coup rapide. Et on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Dribble court, transfert, dribble long. Dribble court, transfert, dribble long. Ok, on est en pause. Il nous reste une répétition sur le même principe que tout à l'heure. Vous allez faire du mimétisme, ok? Et vous allez le faire dans le même rythme que moi, d'accord? Donc on transfère en même moment, ok? Donc je fais dribble court, on fait dribble court. Je fais dribble long, on fait dribble long, d'accord? Toujours dans le même rythme que moi. Allez, attention, top, c'est parti! Ok, on a fini pour celui-là, d'accord. Maintenant, on va faire le carré, d'accord. On avait vu un petit peu tous les plans quand on avait fait le H. Ok, maintenant, on va faire entre les plans en dessinant un carré autour de nous, d'accord. Alors, un rectangle plutôt. J'ai mon palais qui est derrière les talons, côté coup droit. Je vais faire que du dribble long. Ok, j'amène mon palais dans le plan avant coup droit, je bloque, je le récupère coup droit, ok. Je vais retransférer sur le côté revers, blocage, et je vais l'amener du côté revers à l'arrière des talons, d'accord, en gardant ma crosse à deux mains. Donc là, il va vraiment falloir, rappelez-vous, pivoter le haut du corps. Mes pieds, par contre, restent toujours face, d'accord. Mes pieds ne tournent pas, et c'est mon bassin et le haut du corps qui tourne, ok. Et je reviens, blocage, transfert, je ramène derrière les talons, je remonte, blocage, transfert, je redescends derrière les talons, blocage, et j'enchaîne. Ça marche pour tout le monde? C'est bon? Allez, on se met en place, on part tous coup droit, ok, coup droit derrière les talons. Donc coup droit derrière les talons, mon palais il est bien loin derrière les talons là, hein. Et je vais venir bloquer, ok. Attention, on est prêt, et top, c'est parti. Transfert, arrière, et j'enchaîne. On pense bien au transfert de poids quand on passe du coup droit au revers ou du revers au coup droit. On garde bien les flexions. Ok, on est en pause. C'est pas juste les bras qui travaillent. Il y en a quelques-uns qui sont presque jambes tendues et qui font que le travail avec les bras. D'accord? Nous, on veut être vraiment bas, bien fléchis. Ok? Les chevilles, les genoux qui sont bien fléchis. Ça marche? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Je mets des repères pour vous. Ok, ça vous permet un peu de visualiser le parcours du palais. Ça marche. Donc je pars de là, je remonte, je transfère. Ok, avec le transfert de poids, transfert du palais. Je ramène, hop, je peux même le décaler. Je bloque à l'arrière des talons et je repars. Ça marche? Allez, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti.
Allez, plus de flexion, Quanta, on est fléchi. Quanta, fléchis les chevilles, les genoux. Voilà. Ok, on est en pause. On a tendance à casser les flexions. Ok, pensez à rester bas tout le temps. On est bien bas, fléchis. Cheville, genou. Allez, on se remet en place. Troisième passage. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Allez, on reste debout. Ça va redémarrer vite. On se remet en place. On est prêt pour le quatrième. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause, on récupère. Allez, il faut tenir un peu plus les flexions. D'accord, c'est pas long, 20 secondes. Ça doit un petit peu brûler dans les jambes, d'accord. Mais faut être capable de les tenir. Ça marche, c'est pas long, 20 secondes. Allez, on se remet en place. Attention, top, c'est parti. Allez, Anaël. Ok, on est en pause. Anaël est fatigué. Allez, il nous reste un passage sur celui-là. Et il nous restera un dernier exercice à faire. Ce sera les bases de la feinte. Allez, on est en place. Attention, top, c'est parti. Allez, Anaël, on met un peu plus de rythme. Ok, on a fini. Il nous en reste un avant le défi, un exercice. Ok, donc c'est l'exercice de la feinte. Enfin, c'est pour travailler la feinte. D'ailleurs, Guillaume, qui travaille à la Ligue, va descendre pour nous aider à visualiser en fait la situation, d'accord. Donc on a travaillé le dribble court et le transfert de poids sur le dribble long. On va faire la même chose, d'accord, sur la fin, comme si c'était une feinte maintenant. Donc on va faire dribble court pour commencer, coup droit, d'accord. On va faire transfert, dribble long, blocage, ok, et je reviens rapidement sur le coup droit. Sur le revers, je ne fais pas de dribble court, ok. Je remonte, dribble court, dribble long, blocage, je reviens. Okay? Donc ça, c'est l'éducatif pour travailler la feinte. D'accord? Et la situation, c'est celle-là, en fait. Guillaume, c'est l'adversaire, d'accord? Il est face à mon palais, d'accord? Donc là, je fais dribble court. Est-ce que je vais pouvoir passer avec Guillaume qui est devant moi? Là, non, je ne pourrais pas passer. Donc je vais l'amener loin de l'autre côté. Dribble court, pardon. Dribble long, et là, une fois que je l'ai déplacé, regardez, j'ai libéré tout cet espace ici. Donc, sur le blocage, je vais revenir rapidement pour venir attaquer cet espace. D'accord ? Donc, je le remontre un peu plus rapidement. Je suis dribble court, dribble long, je déplace l'adversaire et rapidement, je ramène pour attaquer l'espace. D'accord ? Si je fais... C'est pour ça que le transfert de poids, il est important.
Si je fais que avec les bras, si Guillaume est ici, si je fais pas ce transfert de poids, d'accord, et j'amène loin le palais, si je fais que avec les bras, je vais pas déplacer beaucoup mon adversaire. Vous avez vu? Là, je l'ai pas beaucoup déplacé. Je vais pas avoir beaucoup d'espace pour le battre. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Merci Guillaume. Donc, on démarre coup droit, dribble court. Transfert, blocage, dribble long, et je reviens rapidement, ok? Donc j'enchaîne, dribble court, dribble long, je reviens. Ça marche pour tout le monde? Donc dribble court, coup droit, transfert, blocage, je reviens. Ok, on se met en place. Attention, top, c'est parti! Allez, après le blocage, c'est rapide, on revient. Ok, on en pause. Donc je disais, hein, c'est dribble court, j'amène, ok. Là j'imagine l'adversaire, il est arrivé, rapide, je reviens, ok. Donc dribble court, dribble long, et je reviens rapide. Palais un peu léger, il s'envole, dribble court, ok. On y retourne, toujours coup droit, d'accord, on reste sur le coup droit, attention, top, c'est parti. Allez, un bon transfert de poids pour amener l'adversaire loin, loin de nous, et je reviens rapide. C'est bien, Fantin. Ok, on est en pause. C'est bien, Fantin. On va le refaire encore une fois coup droit avant de passer au revers. Ok. Donc, on est toujours dribble court, coup droit, transfert, blocage, et je reviens. Attention. Top, c'est parti. Ok, on en pause. Maintenant, on va faire la même chose. Sauf qu'on va faire dribble court, côté revers. D'accord? Dribble court, blocage, coup droit, et je reviens. Ok? Dribble court, blocage, je reviens. Ça marche? Attention, on est prêt. Dribble court, côté revers. Top, c'est parti! Allez, un bon transfert de poids, blocage et je reviens rapidement. Ok, on est en pause. C'est bien, c'est pas mal. Je vois qu'on est appliqué. On essaye de faire le geste correctement. On essaye de revenir rapidement. Donc pensez, quand vous travaillez ce type d'exercice, essayez de visualiser la situation dans le jeu, d'accord, sur la glace face à un adversaire, d'accord. Attention, on est prêt, revers, dribble court revers, attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause, il va nous rester une fois. Une fois à côté revers, et puis après on aura terminé, enfin, il nous restera le défi, le petit défi qui est nouveau. Allez, on se remet en place, côté revers, dribble court, top, c'est parti!
Bon transfert de poids, retour rapide après le blocage. Ok, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. On va passer au défi, d'accord? C'est un nouveau défi, ok? On avait fait jongle, maintenant on va travailler en même temps. C'est l'amorti en fait, d'accord? Donc on va avoir la balle posée sur la palette, ok? Il va falloir l'envoyer en l'air, hop, rater, et amortir, d'accord? Et on va compter en une minute. Combien d'amortis on fait? Ça marche? Donc, j'ai ma balle sur la palette, je l'envoie en l'air, je viens la récupérer en amorti. Ce n'est pas des jongles, j'amortis. Ok? Ça marche pour tout le monde? Pour ceux qui n'ont pas de balle, si vous n'avez qu'un palet, vous faites la même chose avec le palet, vous l'envoyez et vous essayez de l'amortir, d'accord? À plat. Et on enchaîne. Ça marche pour tout le monde? Donc, on compte, c'est le maximum enchaîné. Ça marche? On ne compte pas la totalité où on réussit pendant une minute. C'est à chaque fois qu'on enchaîne. Si je fais un, je réussis, puis le deuxième, je loupe. Ok? Je suis obligé de repartir à zéro pour compter. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, on se met en place. On a une minute, attention, top, c'est parti. Allez, un maximum d'amorti. Allez, il vous reste 40 secondes. Allez chercher la balle assez haut, d'accord? Vous la jetez en l'air. N'attendez pas qu'elle revienne pour faire l'amorti. Levez votre crosse pour aller la chercher. Encore 10 secondes. Ok, on a fini, on est en pause. Vous allez donner les résultats. Pas de triche, je vous vois. Je vous vois à l'écran là. Moi, j'ai une grande télé, donc je vous ai vu. Donc, annoncez les bons résultats, d'accord? Ça marche? Ok, j'ai Polo qui en a fait 2. Jaden, 14. Antoine, 2. Axel, 1. Quentin 3, Robin 1, Victor 3, Lissandro 2, Enzo 0, Manu à 0, il va falloir s'entraîner, c'est pas grave. Ryan 6, j'ai vu un Valence 4, Jaden 7, ok. 14 ça faisait beaucoup, Anaël 1, Gabin 7, Martin, non c'est son grand frère Martin, ok 2. À Villard, c'est Ludwig 4, Martin Chambéry 2. Ok, c'est pas mal, faut s'entraîner encore. Moi j'en ai fait 9, d'accord? Pendant que vous avez démarré, j'en ai fait 9. La prochaine fois, faut me battre, ça marche? C'est bon pour tout le monde. Il y a Mathia BDL qui a voulu marquer son score, mais il s'est trompé de touche. Si tu veux mettre ton score. Ok. Ouais, Quentin, 32. 32, ça fait beaucoup pour des amortis. J'ai pas vu ta miniature. On n'était pas vraiment sur des jongles. Hein. Il faut vraiment amortir. Donc, entraînez-vous. Ce que je vous disais, c'est n'attendez pas là. Pour beaucoup, je vous regardais. Vous envoyez la balle et vous attendez qu'elle vienne. Qu'elle vienne taper votre crosse pour amortir. Il faut l'envoyer, d'accord, et aller la chercher en l'air. Ok? Et j'amortis. Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Ok, merci à tous pour cette séance. Super, vous avez bien travaillé.
Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, bonne soirée.